un avis, mais il n'a pas dû aimer. Je vous montre des téléspectateurs, je suis en train de recevoir directement la météo allemande. Actuellement, avec l'antenne qui est là-bas, vous voyez, vous avez un brin qui va vers le pain qui est là-bas, et un autre brin qui est là-bas, l'antenne qui est vers le nord, et c'est une émission qui en provenance doit venir. Et vous voyez, là, on peut réaliser de la bande perforée, ça c'est une machine Lorenz. Une machine allemande, et ça, c'est l'équivalent, c'est la télétype, une machine américaine. Voilà le bulletin météorologique qui est diffusé en direct. C'est des bulletins qui sont à destination du navire. Alors, cette machine, elle a connu le débarquement, elle était au niveau de l'état-major du général Bradley en 1944. Cette machine est une machine Lorenz, une machine allemande, vous pouvez le traduire. Et vous verrez, alors que là, on a un clavier QWERTY, mais là, il y a une disposition des lettres qui est un petit peu différente. Ici, c'est une lectrice américaine, télétype, puisque les Allemands avaient associé une perforatrice, une producteur, et également une lectrice de bande perforée. La bande perforée, ici, qui est en train de s'écouler, elle correspond, c'est le double, si vous voulez, du texte qui est imprimé. Ce qui permettait facilement de reproduire le texte en quelque sorte les bandes perforées que l'ancêtre de la clé USB. On avait comme ça en mémoire le texte et comme vous pouvez repasser infiniment en utilisant les bandes perforées. Ici c'est une machine Siemens, une machine allemande. Il y avait concurrence entre Lorenz et Siemens. Et ici c'est une machine française, une stagiaire. Sogem a commencé à réaliser des téléspecteurs à Argenteuil. La guerre est arrivée. À ce moment-là, Sogem est parti sur Montluçon. Montluçon a été en zone occupée. Les ingénieurs de Sogem ont été récupérés par les Allemands pour améliorer, entre autres, leurs machines et leurs téléspecteurs. Alors, ici, je montre un phonographe pour écouter des disques. Et ici, c'est une machine à calculer, une machine à calculer de l'époque. L'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine. Les mêmes conditions de la guerre qui
ils nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi ?